Bienvenue dans cette séance de relaxation pour aider ton estomac à se guérir durant le sommeil à travers des phrases suggestives qui vont travailler au niveau de ton subconscient. Je m'appelle Lara. Je suis nutrithérapeute ou coach en nutrition. Et je vais te guider avec ces phrases suggestives pour t'aider dans le rétablissement de ton estomac. Pour plus d'effets, l'idéal est d'écouter cette séance chaque soir au moment du coucher, pendant 30 jours minimum, même lorsque les symptômes auront disparu. La répétition de ce petit rituel garantira une plus grande efficacité et s'enracinera dans les cellules profondes de ton estomac. Si tu t'endors durant cette séance, ce n'est pas grave. C'est même d'autant mieux, car ton mental n'interférera pas avec ce travail au niveau de l'inconscient. Je t'invite à écouter cette séance dans ton lit et à te laisser bercer par le flot de mes paroles, quitte à sombrer dans un doux sommeil ou un sommeil profond. Ces derniers temps, ton estomac a été mis à rude épreuve. Il a été un peu malmené. Et aujourd'hui, il a besoin d'aide pour se régénérer. Me voici là maintenant pour lui, pour toi, et pour lui suggérer le chemin de la guérison. Pendant que je murmure des suggestions à ton estomac, je vais te demander de te mettre, si possible, dans une chambre ou un espace où tu te sens en parfaite sécurité et où personne ne peut venir te déranger. Pour te guérir, tu as besoin de paix et d'espace autour de toi. Je vais déjà te demander de te coucher sur le dos, mais en position relevée, pour que ton estomac puisse continuer à digérer. Car c'est un fait, il digère mieux à la verticale. Voilà. Maintenant, cale-toi bien confortablement. Veille à la température de tes pieds et de tes chevilles. Ils ne doivent pas être froids, donc s'il le faut, n'hésite pas à déposer une petite couverture au-dessus de tes pieds. Je ferme les yeux et je me laisse emporter par une pensée agréable. Celle de savoir
que je suis en train de devenir une version guérie de moi. Cette pensée agréable ne me quitte pas, car dès que j'y pense, je retrouve mon insouciance, ma joie de vivre, ma fraîcheur, ma légèreté. Demain matin, j'aurai déjà des autres sensations dans mon estomac, bien plus agréables, comme s'il avait désenflé. J'aperçois un immense écran de cinéma devant moi. Je vois entrer une personne en pleine forme dans une pièce. Cette pièce semble être la copie conforme de ma salle à manger ou dans l'endroit dans lequel je mange. Cela peut être un salon ou une cuisine d'ailleurs. Mais cette personne surtout me dit quelque chose. La scène fait un arrêt sur image. Quelque chose d'étonnant vient de se produire. Cette personne, c'est moi. Enfin, la version guérie de moi. Je me vois à table, en train de manger avec des amis. Un bon repas. Il y a diverses choses succulentes dans ces plats. Des choses que normalement je sais que je ne digère pas. Pas forcément des choses malsaines d'ailleurs. Juste des choses que je ne digère pas. Mais sur cet écran, je digère tout à fait normalement. En fait, je ne semble même pas y penser. Je me vois savourer ces différents plats, rigoler, échanger avec mes amis, bref, passer une bonne soirée comme on les aime. Puis, je me vois aller me coucher sans aucun trouble digestif. Toujours rien à l'horizon. Je me vois même m'endormir, le sourire aux lèvres, dans un sommeil qui semble profond et récupérateur. Je me vois ensuite me lever le lendemain matin, reposé et frais comme le jour. Mon estomac semble avoir parfaitement bien fait son travail de digestion, à tel point que, en fait, je n'y pense même pas. En fait, j'oublie même que j'ai un estomac, tellement il fonctionne merveilleusement bien, je ne le sens plus. Cette version de moi, c'est moi dans un futur proche. Et je sens que chaque soir, pendant cette relaxation, cette version guérie de moi grandit en moi. Et un jour proche, elle prendra complètement le dessus. Un sourire intérieur se dessine alors en moi. Je suis en train de voir sur cet écran ce que je suis déjà en train de devenir. Maintenant, je vais pouvoir ressentir et écouter à travers ma version future. Cette version de moi est si magnétique
qu'elle m'absorbe complètement. Tel un aimant attiré par un autre aimant, je rentre à l'intérieur de cet écran et j'intègre cette version de moi-même qui a guéri. Je l'incorpore et nous fusionnons. Je suis maintenant elle et elle est maintenant moi. Me voici dans mon futur moi, dans la version guérie de moi, dans cette même salle à manger. Rien n'a changé, toujours les mêmes meubles, les mêmes odeurs, les mêmes bruits, du frigo, par exemple. Rien n'a changé, à part mon estomac. Je ressens la faim, mais je constate que cette sensation est indolore. Ça, c'est nouveau. Je peux boire mon café, pas à jeun, ça je le sais. Mais je le bois après, en jus d'orange aussi, après avoir mangé quelque chose. Et je constate que l'arrivée de cette boisson aussi est indolore. Tiens, qu'est-ce que c'est agréable d'être en bonne santé. Je peux même manger des fruits. Cela peut être une mangue, un kiwi ou un autre fruit que j'apprécie particulièrement. Et je dois constater encore l'absence de lourdeur d'estomac après manger. En écoutant cet audio, je réalise que j'ai attiré cette situation. Je l'ai en partie créée grâce à ma pensée créatrice. Tout comme cette version guérie de moi qui va grandir en moi chaque soir pendant mon sommeil. Je suis en train de la créer. Alors je la modèle à ma guise. S'il y a des mots qui manquent dans cet audio, je les imagine ou je les rajoute. Je les adapte à ma situation. Et cette version de moi prendra toujours plus d'importance à mesure que les jours passent. Et c'est très bien. Je regarde ce que je vois. Je ressens l'atmosphère. La magie que ça me fait de me sentir déjà guérie. Le soulagement surtout. Je me blottis dans cette sensation agréable. Comme quand je me blottis dans mes draps juste avant de m'endormir paisiblement. Je ressens que je me pose sur le lit et je me relaxe. Je ressens tout mon corps qui se relaxe. Je vois une lumière relaxante entrer dans mon corps. À chaque inspire, cette lumière entre en moi. Et à chaque expire, tous les tracas et les soucis s'éloignent loin, très très loin. Jusqu'à disparaître à l'horizon. Car plus rien n'a d'importance maintenant que je me sens en train de guérir. Maintenant que je réalise que j'ai ce pouvoir de régénérescence qui dort en moi et qu'il suffit d'éveiller, plus rien ne peut m'atteindre.
Je me sens fort et invincible. Je me laisse emporter par l'expérience du bien-être et du repos. Je suis déjà en train de guérir, je le sens. Je m'aperçois qu'en fait, je guéris facilement. Il me manquait simplement ce petit déclic. Je guéris rapidement jusqu'à atteindre ma santé idéale. Tel un train qui file droit vers sa destination, plus rien ne peut m'arrêter dans ma guérison. Et demain matin, je me souviendrai de cela. À chaque inspire, une lumière soignante entre en moi. À chaque expire, mon tour de taille se resserre toujours plus. Plus je me relaxe, plus je guéris. Cette lumière soignante diffuse dans toutes les directions de mon être et relaxe tous mes organes en même temps qu'elle panse mes plaies, celles de mon estomac. À l'expire, mon esprit se calme et mon visage se détend. Je ressens que tout mon corps se relâche. Je vois la lumière soignante qui se propage de haut en bas et de bas en haut, le long de mon estomac, tel un scanner soignant qui régénère les cellules de mon estomac. Des fréquences de bien-être et de sérénité émanent de ce scanner. Je ressens cette joie et cette liberté de prendre enfin ce temps pour moi. À partir de maintenant, chacun de mes mots va amplifier cette relaxation. Je relâche tous les muscles de mon corps qui s'installent encore un peu mieux dans mon lit. Je ressens le calme intérieur qui s'intensifie en moi. Cela peut être léger au départ, mais cela va s'amplifier. Parce que je suis totalement réceptif aux suggestions. Mes jambes et mes bras se relâchent totalement. Je n'ai pas besoin de penser consciemment à me relaxer. Ça se fait tout seul. Tout mon être se repose, puis s'endort paisiblement. Et comme c'est pendant le sommeil que tout s'intègre, je peux dormir dès à présent. Je n'ai rien à faire d'autre que de dormir. Ce travail se fera sans mon attention. Je m'assoupis de plus en plus.
Mes pensées commencent à se mélanger. Mes yeux roulent légèrement en arrière. Je sens que ça m'emporte. Alors je me laisse emporter par le bien-être de cette sensation. Par le bien-être de cette relaxation de plus en plus profonde. Je pourrais être surpris demain que mon estomac aura déjà un peu guéri. Demain, je serai surpris que quelque chose aura changé en moi. Quelque chose de positif, sans que je m'en aperçoive. Parce que je vais m'endormir. Comme une sorte de bien-être et de paix intérieure. Quand on ressent la paix intérieure, alors tout notre corps se guérit et se réaligne. Demain, je serai déjà un peu guérie. Car je serai réalignée. Demain, je n'aurai simplement plus envie de manger de la même manière. En tout cas, plus tellement les mêmes aliments. Demain matin au réveil, tout ce dont j'aurai envie est d'une tasse d'eau tiède, bouillie et refroidie, pour bien commencer la journée. À partir de maintenant, je me libère des conditionnements d'avant. Je deviens capable de manger sans souffrir. À partir de demain, la muqueuse de mon estomac aura déjà commencé à repousser. Et mon estomac devient déjà plus résistant. Son bouclier naturel commence à réapparaître. Tout mon corps va se relaxer 10 fois plus profondément. Pour cela, il me suffit de porter mon attention sur cette lumière soignante qui continue de travailler en moi alors que je respire de plus en plus tranquillement. Ma respiration ralentit encore plus doucement. Alors mon visage s'apaise encore un peu plus. Mes paupières s'alourdissent et semblent aussi lourdes que du plomb. Ma mâchoire se desserre, mes joues se relâchent et ma langue s'est aplanie. Les arêtes autour de mon nez sont relâchées et je défronce totalement les sourcils. Les petits muscles autour de mes yeux se lissent et mes yeux roulent légèrement en arrière, derrière mes paupières. Je n'ai rien à faire, car la relaxation
va se poursuivre dans chacune de mes cellules, petit à petit. Je relâche mes épaules et je regarde comment la détente descend dans mes bras, jusque dans mes mains et chacun de mes doigts. Je ressens que ma poitrine se relaxe totalement au rythme de ma respiration. Je me dirige jusqu'à ce que la muqueuse de mon estomac soit redevenue un beau bouclier face aux aliments et aux breuvages corrosifs. Mon ventre se libère. Mes cuisses se détendent. Mes pieds bien chauds se relâchent. Tout mon corps se détend. Je suis littéralement en train de m'endormir. Je m'endors profondément, paisiblement. Je vais compter de 10 à 1 et à 1, je serai dans mon centre. C'est dans mon centre que mon inconscient intègre les informations. Pendant que je compte de 10 à 1, je vais descendre dans les profondeurs de mon être en me tenant à une corde. 10, 9, 8, je bascule vers la somnolence. Je pose mon attention sur l'énergie tout autour de mon corps. Je laisse un flottement m'envahir alors que mon corps s'allège. Au fur et à mesure que j'entre dans le demi-sommeil, et que j'intègre ces suggestions pour guérir, les somnolences sont de plus en plus profondes. Même l'atmosphère semble onduler. Mes pensées se mélangent et je laisse faire. J'ai sommeil. Et je n'ai qu'une envie, c'est de me laisser emporter dans un autre espace. Ce basculement va me faire guérir plus durablement. J'entre dans les abysses d'une transe hypnotique pour guérir et ça marche. 7, 6, 5. Je descends toujours plus pour fusionner avec la version guérie de moi. Je ressens ce que ça fait d'être guérie et apaisée. Quelle volupté! 3, 2, je descends encore plus loin, comme si j'entrais dans la somnolence. Je n'ai pas besoin de me focaliser sur quelque chose de précis, tandis que je dérive de plus en plus.
je me sens comme sur un matelas pneumatique, voguant dans une eau transparente. Je dérive sur ce matelas. Je sens la chaleur du soleil, très agréable sur ma peau légèrement mouillée. Et je me sens aussi léger qu'une plume, bercée par les flots d'une eau cristalline. Et je sais que je suis en parfaite sécurité. Comme c'est agréable de me sentir guérie. Ici, mes pensées se mélangent toujours plus. Je m'approche de mon centre. Je m'approche de mon centre. Je m'approche de mon centre. Je dors maintenant. Afin que les suggestions puissent s'intégrer et s'enraciner profondément. J'inspire. Et j'expire. Mon estomac reprend de la vigueur. Il reprend ses forces et ses fonctions. Cet apaisement me fait guérir d'un bond. Je retrouve mon estomac d'un temps. L'estomac qui a toujours bien fonctionné en moi est revenu. Je ressens une différence dans la pesanteur de mon estomac, comme une sorte de légèreté de la vie. La joie de vivre m'envahit. Mes épaules se détendent encore plus et automatiquement c'est tout mon corps qui se relaxe encore mieux. Mon corps s'endort. Peut-être dans un demi-sommeil ou un sommeil plus profond, peu importe. Tant que je me sens bien, c'est absolument tout ce qui compte. Mon subconscient intègre maintenant des suggestions puissantes pour guérir de l'estomac. À partir de maintenant, je suis attirée par le jus de chou. Celui qui ne me fera que du bien. Je me détourne des aliments corrosifs, riches en graisse cuite ou riches en fibres, qui ne correspondent pour l'instant pas à mon estomac. Je me détourne des sodas. Je me détourne des chips. Et je me détourne aussi des soupes. Je réalise que pour panser mes plaies,
j'ai besoin des vertus cicatrisantes du jutsu qui s'appelle le S-méthylméthionine et qui guérit même les ulcères graves de l'estomac. J'ai envie de boire du jus de chou tous les jours. J'en ai si envie que j'en aperçois un se matérialiser devant moi. Ce jus de chou fraîchement pressé semble descendre du ciel. Une partie de moi se sent attirée par ce jus. Et ce chou me raconte son histoire. Il me dit qu'il a poussé sur un sol fertile et luxuriant. Il dit qu'il est prêt, qu'il est mûr, qu'il est prêt à me céder son énergie vitalisante. Ce jus vibre magnifiquement bien et sa couleur lumineuse est attrayante et apaisante. Ce jus est riche en minéraux et en micronutriments réparateurs, notamment le S-méthylméthionine, plus connu sous le nom populaire de vitamine U. Cette vitamine magique a été baptisée U car c'est le U de ulcère. Tout simplement. Ce jus de chou est programmé pour me guérir et moi je suis programmée pour être réceptif à ce jus de chou merveilleux. Je m'empare de ce verre et le porte à ma bouche. Je sens le contact de mes lèvres avec le verre froid. Et j'incline légèrement le verre pour faire glisser le breuvage dans ma cavité buccale. Je ressens instantanément un accueil réceptif par mes cellules. Puis, je déglutis et je sens ce jus frais descendre le long de mon œsophage et s'écouler jusque dans mon estomac. Le goût n'est pas si désagréable que je l'avais imaginé. Au contraire, il me convient. C'est ok. Mais mieux, c'est comme si mon estomac attendait de vivre ce moment de soulagement depuis longtemps. Au contact de la vitamine U, toutes les cellules à la surface de mon estomac se revigorent instantanément. Le jus de chou apporte la vie à mes cellules. Il absorbe littéralement le feu de mon estomac. Son énergie froide et cicatrisante se déverse, pénètre à travers les fissures et les recouvre instantanément. Les petites lésions de mon estomac ont maintenant cicatrisé. Mon microbiote gastrique se reconstitue. Il s'améliore de jour en jour et se désenflamme au contact du jus de chou.
tout me vient assez naturellement. Je me sens si bien que pour rien au monde, j'aimerais changer ma nouvelle manière de m'alimenter. Ce jus de chou est programmé pour me guérir, et je suis programmée pour être guérie à son contact, qu'il soit physique ou énergétique. Désormais, l'acide que je vais sécréter pour digérer me sera indolore. Je m'entoure des personnes qui m'encouragent dans mes projets. J'apprends à gérer mes émotions et je demande à mon inconscient de faire tout ce qui est en son pouvoir pour m'aider. J'apprends à comprendre mes émotions pour me sentir bien, relaxée et être dans la joie. J'apprends aussi à manger dans la sérénité. J'apprends que pour la rémission de l'estomac, il est important de manger en paix. Je m'entoure des bonnes personnes pour manger mes repas. Ou alors, j'attends de me retrouver seule pour manger en paix. Juste le temps de la convalescence. Je décide d'atteindre ma santé idéale parce que je sais comment je vais me sentir et tout ce que cela va m'apporter de positif dans la vie. Être en bonne santé, c'est bon pour moi et c'est bon aussi pour les autres, car en étant plus en phase avec moi-même, je deviens un cadeau pour les autres. Avoir un estomac guéri est bon pour ma vitalité, ma productivité, mon estime de moi-même, mon couple, ma vitalité et mon bien-être. Je suis une personne inspirante et créative. Je glisse dans la somnolence, endormissante et soignante. Je dors maintenant. Je plonge dans un sommeil profond et encore plus profond. Mes pensées se mélangent comme de la peinture alors que je décide de guérir. Demain matin, je serai étonnée de voir des résultats positifs sur mon estomac. Et maintenant, je m'endors paisiblement. Je ressens cette énergie du sommeil autour de moi qui me fait basculer vers un autre paysage, celui des songes et des rêves. Je prends soin de moi et de mon corps. Les personnes inspirantes comme moi, lorsqu'elles se fixent un but, elles l'atteignent automatiquement. Comme je suis une personne très inspirante, et comme j'ai décidé de régénérer mon estomac, j'ai décidé de persévérer jusqu'à atteindre mes objectifs. C'est facile pour moi de guérir. Je surmonte les obstacles tellement facilement. Je change d'état d'esprit et je retombe sur mes pattes.
Je change mes croyances limitantes en croyances aidantes. Guérir, c'est simple. Je peux et je suis en train de le faire. Je fais des petits pas, même s'ils sont faciles, tous les jours. Je visualise parfaitement bien la version idéale de ma santé et je suis décidée à être cette nouvelle version de moi-même, guérie, joyeuse et productive. Je suis décidée à être cette nouvelle version de moi-même. Je persévère. J'ai conscience que mes colères de l'époque ont un peu contribué à me consumer. Tout mon corps se relaxe maintenant, car je sais mieux gérer mes émotions. Je sais aussi mieux les anticiper. Je connais leurs mécanismes. Mes bras se détendent. Et mes jambes se libèrent. Au fur et à mesure que la séance avance, je m'endors profondément. Je gère maintenant mieux les conflits. J'ai compris que le silence est d'or, la parole est d'argent. J'apprends à dire les choses seulement lorsqu'elles sont vraiment nécessaires. Et je dis aussi les choses plus simplement et sans attente. J'apprends à lâcher toutes ces attentes que je pose sur mon entourage. Et je me libère ainsi de mes frustrations. Je me libère de mes colères, car je sais qu'elles ne servent qu'à attiser mon feu intérieur. Je m'éloigne des personnes qui ne m'inspirent pas et entravent mes objectifs de guérison. En gérant mes émotions, je comprends mieux chaque jour. Je trouve des alternatives pour me remplir autrement que par la nourriture. Je suis conscient que je dois changer de comportement. Je le fais à mon rythme, dans la douceur de soi. Et en même temps, cela reste facile et je progresse. J'avance tous les jours. Je suis fière de moi. Quand je décide, mon inconscient intègre. C'est comme ça. Je me répète des affirmations positives quotidiennement. Alors mon inconscient est content de m'aider. Et quand je suis en accord avec moi-même, avec la partie la plus profonde et la plus sage de moi, mes comportements s'alignent automatiquement avec qui je veux être. J'ai confiance en moi, alors, comme un effet boule de neige, je guéris. J'avance pas après pas. Je me sens en paix, bien avec moi-même. Je suis remplie d'énergie. Et je veux caler sur mon bien-être pour encore mieux me reposer. Je prends soin de mon estomac comme si c'était mon petit enfant. Je prends soin de mon estomac le temps de sa convalescence. Je me détourne des aliments qui ne conviennent pas au petit enfant. Je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Demain, je pratiquerai cela
tout cela, sans même y penser. Ce sera naturel. Je demande formellement à mon inconscient de m'aider. Et inconscient, je te dis, inconscient, fais tout ce qui est en ton pouvoir afin que mon estomac guérisse durablement. Peu importe tes solutions, je suis déterminée. Je me trouve de plus en plus de qualité. C'est vraiment un effet boule de neige. Plus je guéris, plus je me sens épanouie, plus je guéris d'autres aspects de moi-même. Je célèbre la vie et chaque petit pas, même infime, vers la nouvelle version de moi-même, me motive. Rien que le fait d'écouter cette hypnose me rebooste. Je guéris maintenant. Je guéris facilement. Je guéris rapidement jusqu'à atteindre la santé idéale. Je mange plus lentement, plus calmement, en toute conscience. Une chose nouvelle aussi, je ressens désormais la satiété. Et quand je n'ai plus faim, j'arrête simplement de manger. Je me libère des conditionnements extérieurs. Je change mes habitudes. Je mange en pleine conscience, doucement, et je ressens la satiété. Je change mes habitudes et je suis automatiquement attirée par des aliments pauvres en fibres ainsi que le jus de chou pendant ma convalescence. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je suis en pleine forme, en pleine santé. Mon inconscient a compris, alors j'avance. Je suis une personne persévérante, courageuse et motivée. Je décide de guérir et quand je décide, plus rien ne peut m'arrêter. Tel un drain qui file droit, je suis inarrêtable. Demain et les jours qui suivront, j'aurai l'intuition de ce qui convient à mon estomac. Je saurai entendre la voix de mon inconscient et je serai étonnée de constater des améliorations. Je vais continuer d'intégrer ces suggestions pendant le sommeil, pendant le reste de ma nuit. Merci, cher inconscient, de me guider sur le chemin de la rémission. Merci du fond de mon être. Si tu ne dors pas encore maintenant, je te laisse à cette musique qui va continuer d'intégrer ses suggestions pendant le sommeil pour te bercer tranquillement. Je te souhaite une merveilleuse nuit de sommeil et je te remercie. À très bientôt.